Merci d'être venus si nombreux et merci aussi d'avoir patienté puisque la conférence table ronde qui nous a précédé a débordé un peu sur le temps. Donc c'est avec plaisir que nous retrouvons cet après-midi avec Suzanne Varga, qui est un auteur qu'on ne présente plus. On a eu l'occasion de la recevoir ici au Salon du Livre de Lait et les Roses à plusieurs reprises. C'est un auteur qui publie des ouvrages historiques. Elle est docteur d'État, agrégée, auteur de nombreux ouvrages, dont certains ont été primés. En particulier, elle a obtenu le Grand Prix de l'Académie française, le Grand Prix de la biographie littéraire de l'Académie française pour Lope de Vega. Et ensuite, elle a publié Philippe V, roi d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, qui a obtenu le prix UCAP aux éditions Pygmalion. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de son dernier ouvrage qui n'est pas encore disponible en librairie, mais que le libraire du Salon Livre de Lait et les Roses a pu quand même en avant-première se procurer. 12 banquets qui ont changé l'histoire, toujours aux éditions Pygmalion, donc de Suzanne Varga. Suzanne Varga, bienvenue cet après-midi au Salon de Lait et les Roses. Merci beaucoup. Je suis heureuse de vous retrouver parce que j'étais ici dès la naissance du Salon du Livre et je vais essayer d'être bref parce que je suis extrêmement bavarde et je sais qu'aujourd'hui, il va falloir quand même que la demi-heure se rétrécisse un peu en 20 minutes, mais je vais faire aussi vite que possible. Alors je suis, comme je suis très, très disciplinée, je me plie aux thématiques qui sont celles du Salon du Livre et qui, cette année, sous l'égide d'Anne d'Hervé, est constituée par la thématique du voyage. Et finalement, il se trouve que je vais prendre cette thématique du voyage par les deux bouts, les bouts de mes deux derniers livres. Pourquoi ? Parce que, aussi bien, alors, Philippe V, dont j'ai déjà parlé assez souvent, enfin, au moins deux fois ici, il se trouve que... devenu petit-fils de Louis XIV, duc d'Anjou, devenu roi d'Espagne, tout naturellement, il a fallu qu'il parte de Versailles pour Madrid. Or, aussi bien le personnage était resté totalement inconnu, on ne parlait pas de lui, croyez-moi que le voyage qui l'a amené à Madrid était encore moins connu que le personnage lui-même. On a vaguement fait allusion à un voyage, puisqu'il fallait bien qu'il se rende d'un point à l'autre, mais il y a des indices qui tout de suite soulèvent la curiosité et qui donnent à ce voyage tout à fait autre chose que son pur aspect anecdotique. Et pourquoi je vous donne cet indice immédiatement, bien que je veuille passer à autre chose avant, c'est que le peu de personnes qui ont fait allusion à ce voyage ont été bien obligées de se rendre compte que ce voyage a duré 77 jours. C'est-à-dire plus de 2 mois. Or, pour aller de Versailles à Madrid, même à l'époque, 77 jours étaient considérables. C'est-à-dire que les courriers du roi, pour transporter les lettres, mettaient entre 9 et 10 jours. Les carrosses mettaient 15 jours. Alors, comptez 77, pourquoi ? Presque 2 mois. Donc, rien que cette question suscite l'intérêt du voyage. Enfin, je commence par, comme je vous ai dit, je traite la thématique du banquet. Oui, mais vous m'entendez, non? Oui. La thématique par les deux bouts. Je commencerai par le livre qui vient de sortir et qui s'appelle donc 12 banquets qui ont changé l'histoire, parce que précisément,
ces banquets sont l'occasion d'un voyage à travers le temps et à travers l'espace. C'est-à-dire que en ce petit livre qui semble vraiment court et petit, il y a 22 siècles de voyage, c'est-à-dire que depuis Alexandre le Grand jusqu'au banquet des mers de l'exposition universelle de 1900, il a fallu que je choisisse des repas, des banquets qui ont eu un impact historique, je vous dirai dans quel sens. Et donc, aussi bien le temps que le lieu se déplace et ça constitue véritablement un double voyage. Alors, je commence donc par Alexandre et la Babylone antique, en passant par l'Égypte de Cléopâtre, puis la Galilée des noces de Cana, le camp du drap d'or, Ardres et Guînes du nord de la France, avec François Ier et Henri VIII, puis les repas considérables qui ont été Vaux-le-Vicomte, bien sûr, pour le pauvre Fouquet, puis le repas du Grand Condé à Chantilly, dont on retient essentiellement la mort de Vatel, etc., etc. Donc, ces banquets constituent des sortes de séquences de paix dans le tumulte de l'histoire, mais pour être des séquences de paix, ce sont des lieux qui sont aussi problématiques que les lieux de bataille, et la table est un lieu de pouvoir, il s'y joue des enjeux de pouvoir énormes, dont l'issue est aussi problématique qu'une bataille lorsqu'elle commence, on ne sait jamais comment elle finit, quels que soient les pouvoirs qui soient l'un en face de l'autre. Et souvent, l'issue est l'inverse de ce qu'on en avait escompté. Par exemple, le camp du drap d'or, qui avait été suscité par François Ier, qui recherchait l'alliance d'Henri VIII contre Charles Quint, eh bien, ça, malgré la réussite totale des banquets et des jours qui ont suivi, puisque ceci a duré 12 jours, eh bien, François Ier a reçu exactement l'inverse de ce qu'il escomptait. En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux repas du XVIIe siècle, dont les invités sont Louis XIV, Vaux-le-Vicomte avec Fouquet et puis ensuite le Grand Condé à Chantilly, ont eu le résultat inverse pour les deux personnages, c'est-à-dire que Vaux-le-Vicomte, qui devait être la consécration du pouvoir de l'intendant Fouquet, eh bien, a été déjà à la fin du repas, il avait signé son arrêt de mort en quelque sorte. Quant à Chantilly et le Grand Condé, malgré la mort de Vatel, Louis XIV avait fait l'honneur et concédé l'honneur au Grand Condé qui avait été le chef de la Fronde des Princes. Il lui avait permis d'être invité par lui à Chantilly et le repas s'est terminé par la consécration de la réconciliation et du pardon de Louis XIV en la personne du Grand Condé. Et il y a un tableau très intéressant qui a été fait au XIXe siècle où l'on montre le Grand Condé reçu ensuite à Versailles pour la consécration définitive de son retour en grâce. Alors, je vous montrerai, mais les illustrations sont petites. Alors, on voit le Grand Condé essayer de monter l'escalier en haut duquel l'escalier des ambassadeurs où l'attend Louis XIV. Vous voyez, c'est le petit qui est en bas, là. Oui, et Condé est déjà quelque peu âgé, il est perclus de rhumatisme et il monte les marches avec énormément de difficultés. Et lorsqu'enfin il parvient auprès de Louis XIV, le premier mot, il dit « Excusez-moi, Majesté, je vous ai fait attendre ». Et Louis XIV lui aurait répondu, « Lorsqu'on est chargé de gloire comme vous l'êtes, le monter est difficile ». Donc c'était un merveilleux retour en grâce. Donc, en ce qui concerne ces 12 banquets, c'est la maison Flammarion qui alimente cette collection qui s'appelle la collection des 12, où il y a déjà un certain nombre d'ouvrages qui sont sortis sur les 12 nuits d'amour. On m'avait d'ailleurs proposé et j'avais trouvé que c'était quand même... Je n'avais pas assez de documents pour m'être glissée entre les tentures de ces dames. Et donc c'est plus ou moins eux qui ont choisi le sujet.
qui m'a donné un travail énorme parce que autant on s'imagine qu'un menu est facile à faire, mais les menus d'abord sont extrêmement sacrés quant au culte qu'ils représentent, et par ailleurs ils sont porteurs de tous les signes d'un contexte historique et même de tous les signes d'un mode de gouvernement. Par exemple, oui. Avant de vous laisser expliquer oui. cette partie-là, je voulais justement dire que bon, je suis un des premiers lecteurs justement du livre et que je voulais rebondir sur ce que vous disiez juste avant par rapport au travail que vous avez mené. Justement, ma première question, c'était combien de documents d'archives vous avez lu et pendant combien de temps vous avez lu tous ces documents, décortiqués, parce que vos descriptions sont très très fouillées. C'est-à-dire, quand vous lisez l'un des chapitres sur l'un des banquets, on reviendra en détail, que ce soit sur le banquet de Suse ou le banquet à la Perle de Tarse, voilà. Mais la première chose qui m'a frappé, c'est le souci du détail, vraiment la description non seulement des festins eux-mêmes, effectivement de ce qui était à table. En fait, on sait tout, on sait tout, vraiment en vous lisant sur ce qui s'est passé. C'est à croire que vous avez pu avoir accès vraiment à des minutes, j'allais dire, effectivement, écrite lors de ces banquets-là, parce qu'on découvre beaucoup de choses. Non seulement sur les traditions gastronomiques, vous allez nous parler sans doute des sacrifices qui étaient faits, justement, ces rituels-là parce que ces festins, ces banquets n'étaient pas, comme vous l'expliquez, juste des festins gastronomiques, mais c'était des lieux où on se retrouvait, où celui qui convoquait, bien sûr, montrait son ascendance sur ses invités. Donc c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu de tractation, c'est un lieu où on nouait de nouvelles alliances. Avant d'aller dans le détail de ces banquets-là, je voulais quand même que vous nous parliez un peu de ce travail. Vous êtes historienne, donc ce travail d'historienne que vous avez fait pour arriver justement à être aussi précise. C'est-à-dire que le sujet est exaltant quand on vous le présente. Mais vous vous rendez très vite compte que si vous vous contentez du menu, ça ferait en gros 28 pages. Parce que 28 ou 30 pages. Donc, et puis ce n'est pas l'intérêt, d'autant que les banquets pendant longtemps n'ont laissé de souvenirs dans les sources historiques et littéraires en particulier, beaucoup moins de, en particulier pour les sources pour les banquets antiques, on voit que ce qui intéressait les personnes qui s'en occupaient, ce n'était pas ce qu'on mangeait, mais ce qu'on y disait. C'est-à-dire, pour le banquet de Platon, on ne sait pratiquement pas ce qui a été ni bu ni mangé. En revanche, on a longuement, et c'est absolument magnifique, on sait ce qu'on y disait. Et effectivement, le plus important des banquets, c'était pas ce qu'on avait dans l'assiette, mais ce qui se disait au cours du banquet et ce qui se passait autour. Alors, la première difficulté était dans la liberté qu'on m'avait laissée. C'est-à-dire qu'on vous dit, choisissez les 12. Nous, pour nous, c'est une collection de 12 banquets et il faut que vous choisissiez vous-même. Et croyez-moi, j'aurais préféré qu'on les choisisse pour moi. Parce que... les banquets qui ont changé l'histoire. Et alors, bien sûr, on ne m'a pas laissé la totale liberté parce que j'ai fait des propositions et certaines ont été refusées. Et j'ai triché aussi un peu parce que j'ai voulu retenir, par exemple, j'aurais voulu introduire des banquets littéraires parce que je pense qu'il y a le banquet, par exemple, de Don Juan, c'est-à-dire qui est un lieu de pouvoir absolu qui décide de sa mort, et qui est vraiment, vraiment l'expression du pouvoir absolu, eh bien, on m'a dit non, vous excluez tout ce qui est purement littéraire. Bon, alors donc, excluez. Moi, j'étais surtout tentée par ces grands banquets littéraires. Ensuite, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas ne faire l'impasse sur
les banquets bibliques qui est la scène ou les noces de Cana. Parce que toute la religion chrétienne, disons la liturgie chrétienne, est basée sur ces repas. Par conséquent, la communion, l'Eucharistie n'existe pas sans ces deux repas. Et je ne voyais pas, alors on m'a dit oui les noces de Cana, mais c'est tout. Et moi je ne voyais pas comment on pouvait rendre la totalité, n'est-ce pas, de cette modification du monde, jusqu'à d'ailleurs la datation qui a suivi, puisque on parle de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, je ne voyais pas comment on pouvait faire les noces de Cana sans la scène. Et j'ai dit d'accord, d'accord, et puis j'ai présenté la scène comme l'épilogue des noces de Cana. Donc ça fait en fait 13 banquets et pas 12, mais heureusement je n'ai eu aucun reproche par la suite, puisque l'éditeur a lu et puis il n'a pas dit effacer l'épilogue. Bon. Donc ensuite, il fallait vraiment que ces banquets aient une signification historique. Donc pour avoir la signification historique, il faut appréhender la totalité du contexte. Donc, je ne sais pas, monsieur, si vous avez la gentillesse de lire la première phrase de ma préface. Un si petit livre pour un si plantureux sujet. Voilà. Donc, oui, parce qu'il fallait qu'il ne soit pas très gros, parce que la collection est limitée. Bon, on m'a dit, madame, vous pouvez en faire autour de 300, 200, 300 pages. Donc, effectivement... 270 pages, il fait. C'est ça. Et comme ces banquets ne valent que par leur impact historique, il fallait retracer le contexte antérieur et postérieur. Comment ce banquet a modifié le contexte historique? Donc, avoir une connaissance précise d'un mouvement d'histoire, d'un mouvement historique qui, je peux vous garantir que rien de ce que j'ai écrit n'est contestable pour le moment par rapport aux sources que j'ai pu consulter et aussi aux ouvrages qui ont été écrits avant moi. Donc, bon, s'il y a des erreurs, ce sont des erreurs admises, mais j'ai essayé de faire en sorte, je ne peux pas vérifier véritablement, j'étais pas au repas, donc je suis bien obligée de faire confiance à ce qui a été dit, mais je me suis inspirée d'un certain nombre d'ouvrages dont je donne le nom des auteurs très scrupuleusement à la fin du livre. Donc, à la fois reprendre les personnages comme Louis XIV, François Ier, Charles VI qui ont officié pour ces banquets, Philippe le Bon qui est un personnage absolument extraordinaire. Je crois qu'on ne se fait pas une idée de ce qu'était un royaume dans un royaume. Il était plus puissant que le roi de France. Et il a donné un banquet qui a absolument célébré sa puissance. Et ensuite, par exemple, Saint-Louis, dont on, rien que par son nom, on s'imagine que c'était un frugal qui ne mangeait qu'un morceau de pain en buvant de l'eau, n'est-ce pas? Absolument pas. Il aimait la bonne chair et il a instauré son pouvoir sur un certain nombre de banquets, notamment ce banquet de Saumur que j'ai choisi pour lui, où il met sous son pouvoir tous les chevaliers de son royaume. Donc, ça a demandé une étude du contexte historique très approfondie et ensuite une écriture aussi laconique que possible pour rendre les faits et pour les faire pivoter autour de l'idée de banquet. En fait, je pense que je vais m'arrêter là, si vous voulez, en espérant vous donner l'appétit pour les lire. Et je pense que vous ne prendrez pas un kilo en les ayant lus. Et vous n'aurez pas d'indigestion non plus, je l'espère, en tout cas. Oui, mais on aura quand même des petites frayeurs. Peut-être même pas des petites, mais de grandes frayeurs. Parce que certains banquets se sont mal terminés. Parce qu'il y avait toujours la crainte d'être empoisonné. Et les premiers chapitres que j'ai lus m'ont justement transmis cette frayeur-là, parce que il y a la mort de Britannicus, par exemple, et puis l'empereur Claude. Ah oui, d'ailleurs, l'idée de l'empoisonnement par les repas a existé très longtemps dans notre histoire. Enfin,
pour ce qui est de l'Espagne, puisqu'il y a ici mon maître de la Sorbonne, je lisais il n'y a pas très longtemps quelques documents sur la vie de Franco, qui n'est pas le personnage le plus gratifiant de l'histoire espagnole, certainement, mais on disait, on décrivait un repas qui était emblématique de tous les repas qu'il prenait, et on disait qu'il n'y avait rien de plus sinistre qu'un repas avec Franco. Pourquoi ? Ne serait-ce que par le menu. Alors, en général, il prenait tous les invités, royaux fussent-ils, commençait par un potage au vermicelle, qui était suivi d'une omelette pour un œuf par invité. Oui. Et ça se terminait par un yaourt ou une pomme. Et alors, on avait dit aussi qu'il y avait une curieuse atmosphère. C'est que aussi, le service était fait par des militaires. Et il n'est pas dans mon livre, ce banquet là, par des militaires qui servaient, et aussi les cuisiniers, les chefs étaient aussi un militaire qu'on avait rapidement initié à la cuisine, parce que Franco avait peur d'être empoisonné. Et l'Espagne est un des pays les plus subtils quant à l'empoisonnement, quant aux possibilités de poison. Que l'on mettait absolument partout, dans des gants, dans des fleurs, etc. Et le pauvre Philippe V, qui est arrivé en Espagne, a passé sa vie, Louis XIV lui disait toujours, faites goûter vos plats, ne buvez rien sans qu'on les fait au préalable. Et effectivement, un des repas que j'appelle d'ailleurs le banquet de tragique, comment il s'appelle, celui de Claude, le banquet... Le Médius. Non, Claude, c'est l'Empire, le banquet du tragique de la mort, de l'assassinat, parce que Agrippine tue son mari en lui présentant très subtilement son plat préféré, c'est-à-dire le banquet de la mise à mort. Oui, je trouve que le titre est meilleur que ça. Le banquet de la mise à mort, parce que lui qui était un vrai, véritable savant, c'est véritablement, je crois que c'est un des seuls personnages qui ait eu autant de plaisir dans de la chair, je veux dire au sens des repas, que pour l'étude. C'était un très grand historien. Et il avait été écarté du pouvoir pendant longtemps, il est arrivé au pouvoir à presque 50 ans, et il n'a jamais cessé ni de quitter les tables, c'est-à-dire la table d'écriture et d'études d'historien et la table pour manger. Il avait une passion particulière pour les champignons. Alors, vous me direz, les champignons, on s'en méfie déjà par avance. Mais lui, il savait que les champignons étaient dangereux, mais dans le fond, il misait sur le destin, en quelque sorte. Mais ce jour-là, ils ont fait très fort, Agrippine a fait très fort, parce qu'elle a présenté la recette qu'il préférait des cèpes, et se sont arrangés pour mettre au milieu du plat un cèpe énorme au milieu, et on a dit évidemment celui-ci est pour l'empereur, et c'est celui qui contenait tout le poison. Donc la mise à mort a été immédiate. Oui, il y a eu des mises à mort effectivement tragiques, d'autant plus que, et puis des stratagèmes qui ont été utilisés, c'est-à-dire que en principe il y avait des goûteurs. Oui. Donc, en principe, il n'y avait pas de risque, puisque si le poison est mortel immédiatement, voilà. Pour Britannicus, justement, on a étudié une stratégie. Je ne sais pas si je dois la dévoiler. Bien sûr, vous pouvez. Je peux, oui. Alors, on lui a fait boire une boisson très chaude, brûlante, et voilà. Et donc, s'étant brûlé, il a fallu que l'on apporte de l'eau glacée immédiatement, et donc le goûteur n'a pas goûté à l'eau. Et l'eau est empoisonnée, il est mort. C'est-à-dire qu'on a ajouté l'eau froide à sa boisson chaude pour qu'il puisse la terminer. Effectivement, c'était pourtant une chose connue, mais lui, c'était un enfant, il n'a pas pris garde. Oui, alors c'est encore très complexe, parce qu'il vous reste de la lecture, c'est que pour Agrippine, elle avait fait appel à un personnage extrêmement célèbre quant à l'utilisation du poison, et il fallait que le poison agissent
vite, certes, mais pas trop brutalement non plus, parce qu'immédiatement, on aurait soupçonné la raison de la mort. Donc, il fallait que la mort soit progressive. Et précisément, pour ce qui est de Claude, le poison n'agissait pas suffisamment vite. Et alors, elle a fait venir le médecin personnel de Claude, le mettant in extremis dans le secret de cette mise à mort. Et voyant qu'il était déjà pas très bien, mais enfin, on aurait pu le soigner, n'est-ce pas, peut-être donner quelques antidotes, eh bien, Agrippine lui a fait signe. Alors, le médecin est venu et il avait une plume dans la main qu'il devait utiliser pour faire vomir le roi afin qu'il aille mieux. En réalité, la plume elle-même comportait un poison qu'on a enfoncé dans la gorge de l'empereur. Oui, c'est donc là c'était radical. Oui. Mais enfin, il y a quand même des repas plus gais que cela. Hein. Oui, oui. Notamment celui que Cléopâtre a organisé avec Antoine pour montrer les fastes effectivement de son royaume d'Égypte. Il y a effectivement il y a des moments très très joyeux puisque vous dites vous-même je vais vous citer. C'était tout un cérémonial, le banquet, dans lequel il y avait le manger, il y avait le boire, et puis il y avait les jeux. Et donc, ce festin gastronomique rassemblait parfois des milliers de convives, et qui pouvait durer des jours et des jours entiers, était aussi un lieu, justement, de pouvoir, comme vous l'avez dit, mais aussi, je vais vous citer, un moyen de resserrer les liens entre anciens adversaires. D'infléchir le cours de l'histoire en favorisant la paix collective. Il y a eu donc des banquets de cette nature-là où les souverains qui les ont organisés ont fait venir les anciens adversaires qu'ils avaient vaincus pour leur, effectivement, proposer une nouvelle alliance où des souverains ont proposé des mariages justement avec des princesses de pays conquis pour que, effectivement, il y ait, comme dans un cas que vous avez cité aussi, une fusion raciale, mélange entre justement macédoniens, perses, grecs et diverses populations. C'était le projet d'Alexandre qui voulait unifier cet immense empire et les différentes races et différentes peuplades qui le constituaient. C'était très intéressant. On y apprend des choses. Je parlais de détails tout à l'heure quand je demandais à Suzanne Varga comment elle a travaillé, parce que je me suis arrêté un instant quand j'ai vu le mot paludisme dans un de vos récits qui se déroule il y a 2000 ans. Justement, je voulais vous poser la question quel était le nom latin à l'époque, ou comment on décrivait cette maladie à l'époque? À l'époque, elle n'était pas vraiment connue, mais là, j'ai eu l'assistance d'un médecin érudit, historien italien, qui il y a une cinquantaine d'années s'est penché sur les raisons de cette mort d'Alexandre au cours d'un repas. Cette connaissance, je la dois en totalité, justement, à ces études postérieures qui ont été faites, notamment par ce professeur de médecine italien. Alors, vous découvrirez... Comme quoi, vous avez fait appel aussi à des consultants, etc. Ah bah oui. Oui, bien sûr. En tout cas, moi, je l'ai lu, je pense qu'on a encore quelques minutes. Oui, mais je voudrais parler aussi de Philippe V, un peu. C'est vrai. Donc, oui. Est-ce que vous me donnez 5 minutes pour... Oui. Est-ce que je vous laisse conclure sur le livre? Non. Non, parler de Philippe V. Donc Philippe V, je pense que je n'ai pas besoin de rappeler les conditions de sa venue au pouvoir. En tout cas, en deux mots tout de même, la cour d'Espagne des Habsbourg attendait avec une impatience et une angoisse devant la vacuité de la succession dynastique, un héritier. Charles II, marié 2 fois, est très amoureux de ses épouses et non impuissant, puisque aucun médecin ne l'a dit, était probablement stérile. Il avait fini par épouser une princesse allemande, dont la famille était très célèbre quant à la fécondité des femmes. Malheureusement, ça n'a pas donné d'héritier, si bien qu'il a fallu le persuader de,
devant cette béance du pouvoir pour un empire aussi immense que celui de l'Espagne de l'époque, choisir, au cas où il n'aurait pas d'enfant avant sa mort, choisir le prince qui occuperait ce trône important auprès d'une dynastie brillante et sur la personne d'un prince qui n'aurait aucun autre espoir de pouvoir. Or, il se trouvait que Louis XIV étant le plus brillant des rois de l'époque, qu'il jouissait devant lui de trois générations. Il avait un fils qui n'avait pas encore régné, le grand dauphin. Il avait un petit-fils, le duc de Bourgogne, qui avait lui-même déjà un enfant. Donc lui pouvait contempler, disons, une succession fort belle et fort féconde, si bien qu'on a pensé que l'un des frères du duc de Bourgogne, c'est-à-dire l'un des trois enfants du grand dauphin, le second en particulier du duc d'Anjou, serait la personne adéquate, puisque lui bénéficierait de tout le background de son grand-père Louis XIV, qui le soutiendrait sur son trône et qui n'aurait aucun espoir. Malheureusement, ce qui se produit dans ce cas, c'est que ce jeune garçon qui a eu une éducation, une instruction extrêmement sévère, extrêmement riche, c'était une éducation, une instruction de représentation pure et simple et qui surtout rabattait ses ambitions, qu'il ne devait pas avoir des ambitions de pouvoir. On le place à 16 ans 3 quarts sur le trône du plus grand empire du monde. Si bien qu'il a fallu qu'il fasse front à tout cela et Louis XIV lui-même était très angoissé devant cette prise de pouvoir imminente. Qu'il devait accepter dans des conditions qui seraient beaucoup trop longues à expliquer en 5 minutes, mais qui sont extrêmement intéressantes. Or, précisément, je lis ce voyage du prince de son pays, la France, à l'Espagne, et surtout la durée de ce voyage, à trois, justement, la nature du voyage et l'intérêt du voyage à trois causes, dont deux sont secrètes et une qui est déclarée très manifestement dans les textes que l'on connaît. Alors, quelle est la raison de ce voyage si long, de 77 jours? C'est que il fallait, donc la cause déclarée et les patentes, c'est que pour encourager et rendre le départ moins douloureux pour ce jeune prince, on l'a fait accompagner de ses deux frères, c'est-à-dire de son frère aîné, le duc de Bourgogne, et de son frère cadet, le duc de Berry. Ils sont partis ensemble, au début dans le même carrosse, dans le même habitacle, et au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de l'Espagne, vu, disons, l'importance du personnage de leur frère cadet, ils ne voyageaient plus que seuls dans un carrosse, et ses frères le suivirent jusqu'à la frontière. Or, il se trouve que les trois princes, bien qu'ils aient eu une éducation absolument magnifique grâce à un précepteur, Fénelon et le duc de Beauvilliers, et de nombreux sous-précepteurs, eh bien, ils n'avaient jamais pu connaître le royaume, ce qu'aurait voulu Fénelon, c'est-à-dire une sorte de pédagogie expérimentale où ils auraient pu connaître le royaume en visitant le pays, en visitant bien la géographie de la France. C'est la France, ils ne la connaissaient que d'une manière livresque et par un itinerarium mentis qui fut le Télémaque, qui est à la fois mythique, mythologique, mais qui est une sorte de métaphore du royaume de France. Or, on a eu l'idée de déclarer que le futur roi de France, le duc de Bourgogne, qui régnerait après son père, le grand dauphin, eh bien, il serait bon qu'il connût son royaume. Si bien que la programmation des villes que devait traverser le duc d'Anjou pour rejoindre Madrid était en réalité un programme qui était destiné aussi au futur roi de France. C'est-à-dire qu'on allait connaître ses lieux de pouvoir civil et religieux et sacré, où l'on s'arrêtait à la fois pour célébrer ce jeune prince qui partait pour son empire, mais en même temps pour faire connaissance du futur roi de France. Ceci était parfaitement déclaré. Et vous me direz, ceci aurait pu très bien prendre un peu moins de 77 jours. Mais les deux raisons inavouées et secrètes
de cette longueur du voyage, c'était précisément un itinéraire initiatique d'un autre ordre. On a vu la première étape, enfin, pour résumer les choses, Louis XIV n'a pas voulu faire les adieux trop grandioses qui auraient encore écrasé ce jeune prince à Versailles. Donc il a choisi comme lieu de départ quelque chose qui vous est très familier, c'est le château de Sceaux qui appartenait au duc de Maine, le fils bâtard de Louis XIV. Là, toute la cour s'est rendue ici à deux pas et on a fait les cérémonies des adieux ici à Sceaux. Il y a une description, là nous avons vraiment une description précise de cette journée magnifique qui s'est produite à Sceaux. Mais la première halte après Sceaux, après l'arrachement du départ, ce fut dans une petite ville qu'on appelle Châtres. Pas Chartres comme un jour, hein, les lecteurs ont lu, mais vous avez fait une faute, madame, je crois que vous avez voulu dire Chartres. Je dis non, 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 c'est Châtres, effectivement, une petite ville où Henri IV s'était arrêté, premier des Bourbons, et qui aujourd'hui s'appelle Arpajon. Donc dans la ville d'Arpajon. Et pourquoi a-t-on choisi Arpajon ou Châtres comme première halte? Parce que le duc de Beauvilliers était souffrant, il était déjà assez âgé, mais il était préposé justement à accompagner le jeune prince jusqu'à la frontière. Et c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un de ces deux, c'était son gouverneur exactement, puisque Fénelon était le précepteur. Donc il avait le rôle de gouverneur des trois fils du grand dauphin. Et ce que l'on ne dit nulle part, et je vous dirai un peu mes sources après, c'est qu'au cours de ce voyage, il s'est agi jour après jour dans un tête-à-tête secret dont personne ne parle, d'initier au métier de roi le duc d'Anjou. C'est-à-dire que ces 77 jours ont été une sorte de recyclage à la hâte et extrêmement important pour désangoisser déjà Louis XIV, parce que lui-même a accepté, n'est-ce pas, cette proposition, et surtout pour que le règne de son petit-fils soit un règne efficace. Je vous rassure tout de suite, ce fut un règne de 47 ans, un règne magnifique qui, malgré un tas de vicissitudes, a mis l'Espagne sur les roues des Lumières, et c'est lui qui l'a fait. Et même si les rois d'Espagne au XIXe siècle, les Bourbons d'Espagne, n'ont pas été extrêmement glorieux, tous les Bourbons d'Espagne du XVIIIe siècle ont été des rois magnifiques et extrêmement efficaces. Donc si un jour on vous dit « Ah, les Bourbons », en Espagne, ils ont été extrêmement importants et efficaces. Et le premier d'entre eux était donc le duc d'Anjou. Là aussi, j'ouvre une parenthèse. Imaginez ce qu'était ce départ. Ce n'était pas un déménagement ordinaire. Il n'a pas emporté que ses affaires pour vivre. C'est un transfert dynastique, c'est-à-dire les Bourbons remplaçant l'immense dynastie des Habsbourg. Et lui, on avait déjà une idée de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire amener cette Espagne rance et appauvrie vers, disons, un progrès réel dans l'esprit et dans la politique. Et je vous dis comme ça en passant, il a emmené sa bibliothèque. La bibliothèque, une bibliothèque de 3000 livres, c'est pas rien à transporter. Donc c'est un déménagement qui a précédé son voyage. Et ces 3000 livres du prince lui-même ont servi à la création de la Real Biblioteca Española. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, la Bibliothèque Nationale de Madrid est faite à la base des livres que le duc d'Anjou a apportés avec lui. Donc, première cause secrète de cette durée, 77 jours, vous me direz, c'est quand même pas beaucoup, et ce n'est pas 10 jours, ce sont quelques heures dans la journée, puisqu'il y avait toutes ces phases de la représentation pendant la journée. Et la deuxième cause secrète, et on en parle encore moins, c'est que Louis XIV avait été un des personnages majeurs de ce qu'on appelle des traités de partage. C'est-à-dire que l'Espagne moribonde, quant à son prince, était, disons, dépecée mentalement par toutes les puissances d'Europe et, disons, l'avenir de l'Espagne se jouait à La Haye, à Vienne, à Londres, etc. Et le roi d'Espagne, Charles II, en était conscient.
Et Louis XIV menait, s'il vous plaît, la danse au milieu de tous ses partages. Et imaginez que le jour où on lui offre la totalité de l'Empire pour son petit-fils, a été une des décisions les plus graves qu'il ait eu à prendre et qu'il n'a pas prise à la légère. C'est la nouvelle lui est arrivée à Fontainebleau. Il a pris une quinzaine de jours de conseils, de ratiocination, etc. pour prendre sa décision. Mais ensuite, il a laissé partir son petit-fils et il a profité de faire durer ce voyage pour apprécier la réaction des autres puissances. Et c'est un secret que personne n'ignore aujourd'hui, qu'il avait envisagé l'éventualité, si l'Europe était à feu et à sang contre la France, de faire revenir son petit-fils avant même qu'il ne parvienne à la frontière. Donc ce long voyage, eh bien, il a donc trois causes, deux secrètes et une patente. Et vous me direz, mais comment est-ce qu'on connaît maintenant ce voyage du prince? Eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir consulter deux documents majeurs et qui se trouvent encore aujourd'hui à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris et qui sont d'abord le journal du duc de Bourgogne. Parce que ce voyage initiatique dont je vous parlais, qui lui permettait de connaître son royaume, était aussi l'occasion de la rédaction d'un certain nombre de devoirs pour les trois princes, en dehors de l'initiation du deuxième pour devenir roi d'Espagne, c'est-à-dire qu'il décrivait les lieux où ils allaient, et on avait demandé au duc de Bourgogne de faire ce qu'il a appelé « journal du voyage où j'accompagnais le roi d'Espagne dans ses états ». Or, ce journal existe, il écrit de la main du prince, et j'ai pu le consulter, et c'était d'ailleurs très émouvant parce que on vous le met entre les mains, c'est une façon de parler, on l'a jamais entre les mains, on vous donne une sorte de support de velours et avec des gants et un marque-page spécial, on tourne les pages afin de... Et alors le deuxième document est une chronique qui est un journal officiel, celui-là, puisque le journal du duc de Bourgogne est un journal privé, et c'est un chroniqueur qui s'appelle Pétis de la Croix. Et évidemment, c'est à la fois émouvant de les lire, mais croyez-moi, c'était pas une sinécure, parce que ce sont des graphies à la main, avec des abréviations, avec des noms de personnes qui ont changé, des noms de lieux qui ne sont pas les mêmes, donc un immense travail, mais qui vous donne vraiment la primeur de la réaction des princes lorsqu'ils arrivaient dans telle ville. Donc, pour aller très vite, ils ont commencé par les châteaux de la Loire, qui étaient des grands lieux de pouvoir, Blois, Amboise, etc., où on voit la réaction, la description des princes, et on descend au fur et à mesure en Espagne. Et ce qui caractérise aussi la rédaction de ces journaux de voyage, c'est qu'on s'aperçoit que ce voyage se fait sous une double dynamique. Au fur et à mesure que les princes descendaient vers l'Espagne, l'Espagne remontait vers les princes. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de voyage du nord au sud et en même temps du sud vers le nord, parce que les Espagnols, les grands d'Espagne, très impatients de voir leurs princes, envoyaient des ambassadeurs, des messagers qui rencontraient les princes. Et tout ça, ça ne se faisait pas aussi simplement, parce que les préparatifs de départ ont été considérables. Entre la décision de faire partir le jeune prince, qui le départ a été le 4 décembre, et la nouvelle a été connue autour du 4 novembre. Donc en un mois, il a fallu régler absolument tout ce transfert. Et ce que Louis XIV a obtenu et qui est absolument inédit, c'est une maison de France accompagnant le prince qui ne savait pas la langue, parce que Fénelon, justement, lui avait enseigné, il connaissait parfaitement le grec et le latin. D'ailleurs, avec son frère, ils ont entretenu une correspondance en latin, en jouant sur les mots, etc. Mais il ne connaissait pas l'espagnol parce que c'était, avec l'italien, les langues de la perdition sentimentale. Donc le pauvre, il a fallu qu'il apprenne la langue et qu'il la parlait fort bien, justement, contrairement à ce qu'on a dit. Il a été même capable, couleurs de France, est-ce qu'on mettra déjà les couleurs d'Espagne, alors qu'il n'est pas encore couronné roi? Quelle sera la couleur de sa livrée? Portera-t-il la toison d'or, etc.
Et donc ceci a pris un temps fou, il y a des quantités de dessins, de chroniques à ce propos. Et donc, à savoir, portera-t-il la fraise, la golilla, comme on disait en Espagne, cette fraise qui était vraiment la marque de la noblesse. Alors on jugeait que par moment il allait la porter, il ne la portait pas. Et dans le même temps, ce qui était très beau, c'est que certains grands d'Espagne sont venus dans ce voyage vers le nord en s'habillant progressivement à la française. Alors on cite le duc d'Osuna qui retire la golilla et qui se met à la française, mais il oublie de mettre la perruque frisée, alors il arrive avec ses cheveux, comme on les portait en Espagne, laissés raides et sans aucun soin. Alors les chroniqueurs justement disaient à l'époque qu'il y avait un contraste assez frappant entre ces discontinuités qu'il y avait sur les personnages. Mais enfin, pour être bref, parce que je ne sais pas s'il me reste 5 minutes, monsieur, vous avez... Je pense qu'on a largement dépassé le temps, mais comme on ne nous a pas fait sûr... Deux petites choses à vous dire encore. Oui, parce que justement, mais j'allais vous poser une question aussi, pour terminer aussi. Vous parliez des préparatifs, justement. Ce jeune duc d'Anjou n'a pas été préparé à être roi. Il ne devait pas être roi. Oui. À quel moment on l'a préparé ? C'est après en Espagne ou pendant son voyage ? Non, pendant le voyage. Et même avant, même son... Et Louis XIV a écrit des instructions. Et là aussi, c'était d'ailleurs... On voit à quel point... Pourquoi a-t-il réussi à être un bon roi ? Parce qu'il a appris l'endurance et la discipline d'une façon extraordinaire, et l'art du secret, etc. Parce que lorsqu'il a été le dernier prévenu, lorsque, par un courrier spécial, on a prévenu Louis XIV du testament de Charles II, qui venait de mourir... Louis XIV a gardé le secret pendant 48 heures pour lui. Ensuite, il en a prévenu deux de ses conseillers. Et ensuite, son fils, le grand dauphin. Et ensuite, le duc de Bourgogne. Il les a consultés aussi parce qu'il hésitait. Et le grand dauphin était celui qui appuyait le plus la candidature de son petit-fils en disant mon fils m'appartient. Donc, je ne peux pas le priver de ce privilège qu'on lui donne. Et donc, lorsque, enfin, on a été obligé de le lui dire, il était assis et on a dit, on a juste perçu un clignement de paupières lorsqu'on lui a dit, tu seras le roi d'Espagne. Et ce clignement de paupières, ça prouve qu'il fallait assumer sans le dire. Donc le voyage, avec cette double dynamique, je voudrais ajouter deux éléments qui sont importants. C'est une sorte de contraste absolu dont il était le siège et le lieu. C'est qu'il est parti, comme je vous l'ai dit, le 4 décembre pour arriver le 18 février. Eh bien, c'est pas être un grand sorcier que de voir que c'était la période la pire pour voyager. Les voyages à l'époque étaient extrêmement inconfortables. Et aujourd'hui, la masse des touristes qui partent pour la Thaïlande sont infiniment plus confortables que n'était le carrosse du roi qui allait en Espagne. Il a fait extraordinairement froid, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de dérangement des saisons, comme nous en connaissons, mais dans le sens inverse. C'est qu'il y a eu une glace, des frimas, des vents. Et même, pas seulement le roi, mais les postillons, les attelages ont dû s'arrêter plusieurs fois parce que par les portières du carrosse, la pluie, le vent, la glace, la neige entraient. C'est qu'au bout d'un certain temps, ils étaient transis de froid. Donc il y avait une sorte de contraste absolu entre les fastes de la représentation, on les recevait, et la précarité du voyage. Donc il y avait ce contraste absolu et aussi l'exiguïté de l'habitacle du carrosse qui était absolument conforme, disons, au resserrement du cœur du prince qui partait. Pour lui, ce n'était pas traverser la France, hein, c'était prendre la route de sa vie, c'était son itinéraire de son destin et c'était un itinéraire de la solitude puisque le pouvoir... et solitaire et tragique. Donc on a vu au fur et à mesure cette sorte de mélancolie tragique qui le prenait tout au long du voyage. Mais le contraste aussi dont il a été la victime tient, et je pense que ça c'est extrêmement intéressant. Bon, ne parlons pas de l'arrachement à la frontière des trois frères qui pour moi encore aujourd'hui me fait venir les larmes aux yeux lorsque je lis la chronique réelle
de l'arrachement des trois frères qui ont été élevés ensemble dans une fusion totale sous la férule des mêmes gouverneurs et précepteurs. Et il a fallu les arracher de les bras pratiquement. Harcourt et Beauvilliers les tiraient d'un côté et de l'autre au moment où, voilà, sur la Bidassoa, ils ont dû se séparer. Et imaginez que pour ce jeune prince, d'un seul coup, il s'est retrouvé dans un univers qu'il appelle de l'étrangement, c'est-à-dire de l'exil absolu. Et il a fallu qu'il fasse front à une conception radicalement différente de la pompe royale. C'est-à-dire que lorsqu'il a quitté la France, où on l'a célébré avec des fastes incroyables, imaginez-vous qu'à Bordeaux, où il est arrivé précisément beaucoup plus légèrement, parce qu'on avait décidé d'utiliser les voies fluviales pour le faire voyager, il est venu à bord d'un navire qui s'appelait la Royale, et lorsqu'il est descendu de cette embarcation magnifique et somptueuse, on avait conçu pour aller du pont du navire, du bateau, jusqu'à la porte de son carrosse, un tapis roulant, un véritable tapis roulant qu'on a accroché au bateau et qu'on a accroché à la portière de son carrosse. C'était une sorte de tapis avec des roues qu'on avait décoré de tapisserie et sur lequel il est passé. Enfin, il y avait des choses aussi extraordinaires. Et lorsqu'il est arrivé en Espagne, d'un seul coup, il a commencé par un petit bateau, une sorte de brigantin extrêmement simple. Le personnel qui l'entourait était infiniment moindre, et ce qu'il a pu constater, ce que les Français qui l'accompagnaient ont constaté, que la pléthore unique qui existait, c'était les armes, c'est-à-dire la panoplie complète des armes blanches, des armes à feu, dont tous les accompagnants étaient couverts, parce qu'il allait traverser une Espagne infiniment dangereuse, dangereuse par les traversées qu'il devait faire, la campagne castillane dénudée, et surtout par l'extrême pauvreté du pays. Et donc on avait peur pour sa vie, donc d'un seul coup il s'est trouvé face à ce dénuement qui lui ne le gênait pas, parce qu'il ne faut pas croire qu'à Versailles il avait vécu dans le faste, mais quand même il venait de faire ses 77 jours dans la représentation pompeuse, et d'un seul coup il s'est trouvé ainsi seul et au milieu de cette adversité réelle. Et surtout, ce qui était infiniment plus intéressant, c'est qu'il y avait une conception extrêmement différente de la pompe monarchique. L'Espagne avait un sens de la grandeur peut-être supérieur à celui que nourrissait Louis XIV. Mais tout était fait par l'intériorité et par le symbole. C'est-à-dire qu'au moment même justement du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Espagne, les grands d'Espagne avaient pris Louis XIV pour un parvenu, parce que eux, les Espagnols, ils étaient habillés en noir. Pour eux, la grandeur était dans le néant, était dans l'absolu, etc., etc. Donc, et ce qui est très beau, c'est que petit à petit, justement, par la traversée de ce pays, on voit ce prince prendre véritablement la stature d'un véritable roi d'Espagne. Ça convenait à sa personne, la mystique de ses paysages, la mélancolie des paysages, ce dénuement, c'est quelque chose qui était cher à son âme et cher à son cœur. Et c'est là-dessus que je m'arrêterai. Merci, Suzanne Barbier.